Être aussi difficile que ça en a l'air. Bonjour, je crois pas qu'on se connaisse. Ah, bonjour. Je m'appelle Lenora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard, et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. As-tu appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Est-ce qu'il y a d'autres tableaux vides dans le reste de l'école? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Oh, ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Et surtout, viens me le dire si tu trouves une idée lumineuse pour résoudre ce mystère. Lumos! Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. On dirait l'endroit représenté sur le tableau. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Revelio. Angélique ou trois? Revelio. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Action! Revelio. Réparo. Levioso. Lumos. Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Je préfère les trois balais à la... Répare. Je le savais. Je devrais dire à Lenora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Lenora, j'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment? Comment? J'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche d'y arriver. Tu es douée avec les énigmes. Nati aussi est plutôt douée. Amit aussi. Même s'il a tendance à trop expliquer. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Le papillon de nuit! J'aurais dû le voir!